Moi, je suis devenu chrétien par conviction. C'est parce que j'ai vu que réellement Jésus est un Dieu puissant. Et c'est quelqu'un de vivant déjà. Donc, je ne me suis pas converti pour de l'argent. C'est parce que l'argent, on le gagne en travaillant. Et moi, je dis toujours une chose, le bon Dieu a choisi que je naisse Kabyle, que je naisse en Algérie, et que je parle Kabyle. Donc, je vais mourir Kabyle, mais tout en reconnaissant que Jésus est mon Seigneur, est mon Dieu. Aujourd'hui, nous voulons vous présenter un frère qui a connu aussi le Seigneur en Algérie, le frère Mourad, de Fort National de la Kabylie. C'est magnifique parce que je connais très très bien ce frère et je voudrais que vraiment qu'on puisse écouter à son témoignage parce que beaucoup de gens, surtout en Kabylie, puissent être touchés par ce qu'il dit, par son expérience. C'est une expérience et un parcours, bien sûr, particulier. Chacun a un parcours différent des uns et des autres. Mais en tout cas, c'est sûr que, encore là, dans cette histoire, on voit que la conviction vraiment forme son caractère. Donc, un chrétien avec des convictions chrétiennes, un chrétien avec des convictions, bien sûr, des valeurs chrétiennes. Aujourd'hui, Mourad va nous parler de comment il a reconnu que Jésus est son Seigneur, comment Jésus est devenu son sauveur. On ne pouvait pas imaginer un seul instant qu'il pouvait être visité par le Seigneur. Et pourtant, bien sûr, comme on le verra, comme il le racontera lui-même, il le racontera en français, mais en tout cas, je pense qu'on ne pourra jamais se lasser des témoignages comme ce que nous vous présentons et nous vous demandons vraiment une attention particulière à ces témoignages parce que pour nous, ils sont précieux. C'est des vies qui ont été transformées par Jésus, par Dieu. Et c'est une transformation qui a été faite comme ça dans un temps où les personnes se cherchent. Et je voudrais vous encourager aussi, vous qui regardez cette émission, qu'on a intitulé la transformation ou métamorphose parce que nous croyons que toutes ces personnes qui témoignent de Jésus à un moment donné ont été transformées radicalement par leurs racines, par tout. Vraiment, ils étaient transformés à tel point qu'on peut dire que la personne est vraiment nouvelle. Ce qu'on appelle des personnes converties, des personnes qui sont touchées, des personnes, pas parce que tout simplement ils abandonnaient leur culture, on dit aux gens qu'ils ont abandonné leur race ou abandonné leur religion. Ça n'a rien à voir avec la religion. C'est vraiment une vie qui est transformée. Une vie avec des valeurs, avec une conviction profonde de qui est Jésus, de qui est Dieu, pourquoi il m'a créé en tant que Kabyle, pourquoi il m'a créé comme Français, comme Arabe. Et bien sûr, c'est en trouvant Jésus-Christ que nous trouvons vraiment que les définitions ont un sens spirituel, un sens divin que Dieu avait déjà prévu depuis la fondation de ce monde, afin que nous puissions justement glorifier son Saint-Nom. La conviction.
on n'est pas juste là pour vous raconter des choses qui sont passées superficiellement, vraiment des témoignages de gens convaincus, des gens qui ont été vraiment là pour témoigner de l'empreinte de Dieu, de la force de Dieu, de pouvoir leur donner une nouvelle identité en Christ, une nouvelle aspiration, une nouvelle marque. Parce qu'on dit toujours que la marque pécheresse ou la marque du monde nous a toujours anéantis ou tout simplement elle nous a relégués parce qu'on ne peut plus faire le bien parce que tout ce qui est en nous est égoïste et tout ce qui est en nous, en l'humain lui-même, est toujours égocentrique. Et Jésus, il vient élargir notre cœur, élargir notre horizon, avoir des convictions de ce que nous sommes. De ce qu'il est. Sans tarder, je voudrais vous présenter Mourad Amouma, donc avec son témoignage, et je prie que son témoignage soit une véritable bénédiction pour chacun de nous, et que nous puissions aussi tirer profit de ce que Dieu peut dire au travers des paroles que Mourad va nous témoigner, et aussi des convictions que lui, il n'avait pas, et qu'en Christ, il les a trouvées. Il a trouvé en Christ le Fils de Dieu, son Seigneur. Sans tarder, je vous laisse regarder. À tout à l'heure. Azul Flaouen, moi c'est Mourad. Je suis né en Kabylie. Donc, j'ai entendu parler de notre Seigneur Jésus-Christ pour la première fois vers l'âge de 13-14 ans. Donc, c'était à l'époque où on fréquentait la maison de jeunes à Fort National. Donc c'était pendant les vacances scolaires. Donc un beau jour, il y avait un groupe des Oadia qui sont venus nous montrer un film qui parlait de Jésus, et qui s'appelait Zman Sirnaïsa. Et ce qui nous intéressait le plus, c'est que le film a été traduit en kabyle. Donc on était tout contents d'assister à ce film. Et à la fin, il y a eu un débat. Donc, pendant ce débat, on a trouvé que c'était des grandes personnes qui nous ont donné l'occasion de parler avec elles. C'est parce qu'à l'époque, généralement, les garçons, les enfants, ils se tenaient d'un côté, et les grandes personnes, donc les adultes, se tenaient de l'autre côté. Donc, on ne se mélangeait pas. Et donc, il y a eu un débat, il y a eu des questions-réponses. Et à la fin, ils nous ont donné encore des Bibles, mais à l'époque, on ne connaissait pas ce que c'est qu'une Bible, donc on disait un livre, mais c'était gratuit en plus. Donc ce livre-là, on l'a gardé soigneusement dans le petit tiroir où on gardait toutes les autres affaires. Donc les années sont passées, et comme toutes les autres personnes, je pense qu'on ne pouvait pas vivre sans Dieu. Donc nous sommes nés musulmans et de ce fait, on a essayé de comprendre d'abord l'islam et de fréquenter la mosquée, de pratiquer la prière. Donc j'ai fait ça de bon cœur et sincèrement. Mais à un certain moment, je n'arrivais pas à accepter ça. Donc j'ai tout abandonné. Et le jour où je suis arrivé en France, j'ai eu l'occasion de tomber sur un frère. Donc c'était au moment où je passais mon permis de conduire. Et ce moniteur d'auto-école me parlait souvent de l'Évangile. Et il me racontait des choses extraordinaires de Jésus, sur Jésus. Après, il m'a proposé de l'accompagner à l'église. Et moi, je lui ai dit, bon, je peux venir comme ça par respect, mais sans plus. Et un jour, j'ai été avec lui à l'église, et j'ai trouvé des gens qui louaient le Seigneur avec joie, tout en chantant. Et ils nous ont accueillis avec de grands sourires.
chaleureusement. Donc petit à petit, j'ai commencé à fréquenter cette église. Donc c'est comme ça que j'ai découvert réellement Jésus. Et après, bon, j'ai fini par suivre des cours bibliques. Et ce qui m'a vraiment attiré vers cette religion, c'était la simplicité et la logique de la parole. Et les points aussi qui m'ont vraiment frappé, c'est la naissance miraculeuse de Jésus. C'est l'enseignement qu'il a commencé très tôt, vers l'âge de 12-13 ans. Et quand aussi il a commencé à guérir les gens, à ressusciter les morts. Donc tout ça, c'était quelque chose de très très important pour moi. Donc il y a quelques points qui m'ont vraiment frappé et qui m'ont touché. Donc à savoir la naissance miraculeuse de Jésus, l'enseignement qu'il a commencé très tôt, quand il était petit garçon. Et quand il était devenu adulte aussi, il a commencé à guérir les malades, à recouvrir la vue des aveugles, à ressusciter des morts. Donc là, je me suis dit, ça, c'est pas un fait qui vient d'un homme qui est simple comme moi, mais ça ne peut être qu'une force surnaturelle qui peut agir comme ça. Mais le point principal que je veux vous raconter aujourd'hui, c'est le jour où ma femme a accouché. Donc, au bout de 2 jours à peu près, elle a ressenti des douleurs au niveau de son épaule. Et donc, elle a commencé à ressentir des douleurs, elle pleurait. Et on a constaté que le muscle de son épaule commençait à disparaître. Et la peau se reposait carrément sur l'os. Et elle ne pouvait pas bouger sa main. Donc on a été voir des généralistes, plusieurs médecins, un neurologue. Ils nous ont dit que c'était une maladie rare. Et ils ne savent pas d'où ça venait, d'où ça vient. Ils ne savent pas. Donc la seule chose qu'ils lui ont recommandé de faire, c'est faire des massages et d'aller chez un kiné. Et pendant sa maladie, on était vraiment triste. C'est parce que quand on voit qu'il y a un nouveau-né qui a que quelques semaines d'existence dans ce monde, qu'il faut prendre en charge, plus un adulte qui souffre. Et moi, j'étais tout seul, donc je n'avais pas de famille ici. Donc c'était quelque chose de difficile dans ma vie. Et à cette époque, il fallait que j'assure les tâches ménagères, il fallait que je m'occupe de la petite, de ma femme, il fallait que j'aille travailler. Le soir, je reviens, je fais encore la même chose. La nuit, je ne dors pas, c'est parce que la petite pleurait. Donc il fallait la changer, il faut lui préparer ses biberons. Et c'était vraiment dur. Donc au bout de 9 mois, on a continué comme ça. Un jour, j'ai entendu parler d'une réunion qui se faisait au niveau des frères maghrébins. Donc ils tenaient une réunion maghrébine tous les 2 mois à peu près. Donc il y a Salvatore qui m'a mis au courant de ça. J'ai été avec ma femme et j'ai trouvé quelques frères qui me sont chers aujourd'hui. Ils m'ont dit, n'aie pas peur. Du moment que tu crois en le Seigneur, il va t'aider. Alors, le sourire déjà a commencé à apparaître sur mon visage. Et ils ont prié pour elle. Et une semaine après, le muscle s'est reconstitué, elle n'avait plus mal. Et ce n'est qu'à ce moment-là, au bout de 9 mois, qu'elle a commencé à tenir sa fille, notre fille, dans ses bras.
Et il me disait, ça y est, tellement que je ne ressens aucune douleur, j'ai envie de voler. Et j'ai dit au Seigneur, c'est vrai que j'ai reconnu que tu es mon Dieu, que moi je t'appartiens, et que tu es un Dieu vivant qui répond aux prières de tes enfants. Donc je lui ai dit, à chaque fois que j'aurai l'occasion pour témoigner, je le ferai avec plaisir. Et merci Seigneur. Je vois un grand changement en moi. Je me suis beaucoup assagi. Avant, je m'énervais pour rien. Et maintenant, pratiquement, je garde mon sang-froid. Et depuis que je prie, je sens que à chaque fois que j'entreprends quelque chose, il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a des portes qui s'ouvrent. C'est parce qu'à chaque fois que je fasse, avant que je fasse quelque chose, je prie. Je lui demande de me diriger. Je lui demande de m'aider. Et je lui dis si cette chose que je dois faire va servir dans mes intérêts, que ta volonté soit faite. Sinon, tu fermes tout de suite la porte. Et bien sûr, bon, franchement, depuis que je le connais, j'ai une vie facile. J'ai une vie facile et je suis toujours joyeux. J'ai oublié ce que c'est que les soucis. J'ai oublié ce que c'est que la nervosité. Même si, bien sûr, dans ce monde, il y a toujours des hauts et des bas. Mais en priant, on se sent bien, vraiment bien. Moi, je suis devenu chrétien par conviction. C'est parce que j'ai vu que réellement Jésus est un Dieu puissant. Et c'est quelqu'un de vivant déjà. Donc, je ne me suis pas converti pour de l'argent. C'est parce que l'argent, on le gagne en travaillant. Et moi, je dis toujours une chose, le bon Dieu a choisi que je naisse Kabyle, que je naisse en Algérie et que je parle Kabyle. Donc, je vais mourir Kabyle, mais tout en reconnaissant que Jésus est mon Seigneur et mon Dieu. Yeah.
Merci Mourad pour ce témoignage qui bouleverse et qui nous émeut parce que, voilà, il t'a visité, il a visité Mourad dans son village natal de Kabylie et voilà, le Seigneur a forgé en lui une conviction sûre. Et je voudrais partager un passage aujourd'hui, l'évangile de Luc au chapitre 2, versets 25 à 32. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus, pour accomplir à son égard ce qui était un usage d'après la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Maître, c'est-à-dire Dieu, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Mes yeux ont vu ton salut. » Voilà l'homme, ce Siméon, qui divinement a averti, attendait. Il était patient. Il savait que ce jour allait venir où il verrait la personne de Christ qui a été choisie déjà par Dieu pour venir, qui soit une lumière pour le monde entier, pour éclairer toutes les nations. Aujourd'hui, il voudra, ce Seigneur Jésus veut éclairer par son Saint-Esprit, éclairer votre cœur, éclairer votre âme, afin que vous puissiez reconnaître que Dieu peut vous donner des convictions, une véritable conviction. Et là, vous verrez de vos yeux que le Seigneur a préparé Jésus, qu'il était là pour vous sauver, pour être une lumière pour votre nation, une lumière pour votre peuple, parce que le Seigneur ne fait pas de favoritisme. Le Seigneur a choisi des temps pour lui, pour se glorifier et pour donner aux uns et aux autres, quelles que soient leurs racines, quelle que soit leur langue, mais en tout cas de reconnaître que Jésus est le Seigneur et le Sauveur et notre Dieu. Alors, je voudrais tout simplement que vous puissiez aussi voir de vos yeux, essayez de comprendre cette situation aujourd'hui, que nous vous présentons une situation vraiment que Jésus peut être la lumière de votre vie, qui éclaire votre chemin, qui éclaire votre esprit. On dit, il y a un terme en arabe qui dit « shahed ». « Shahed », ça veut dire « celui qui voit », « celui qui témoigne ». Et beaucoup de gens disent « ashhadu », donc « ashhadu anna », donc ils déclarent solennellement qu'ils ont vu quelque chose, or qu'ils n'ont jamais rien vu. Et ça, ce n'est pas une conviction parce qu'on peut croire que telle personne a existé dans le passé, on peut croire qu'on nous avait dit, on nous a inculqué des choses par le passé, mais on ne peut jamais dire et déclarer solennellement que j'ai vu de mes propres yeux. Beaucoup de gens, des milliers même, des millions peut-être, qui disent qu'ils ont vu, mais ils n'ont peut-être pas vu. Mais dans ce cas particulier de cette histoire de Mourad, nous voyons réellement qu'un homme témoigne qu'il a vu et qu'il a aujourd'hui des convictions. Pas parce qu'on a inculqué, pas parce qu'on lui a légué quelque chose, mais il était vraiment convaincu au plus profond de lui-même que Jésus est la lumière. Jésus, il est venu éclairer les uns et les autres. Nous ne voulons pas forcer notre témoignage, nous ne voulons pas forcer ni la Bible, ni la parole de Dieu, ni ce Jésus sur votre vie, sur la croyance, mais nous voulons tout simplement vous inviter et dire, et si c'était celui qui éclaire votre vie, et si c'était celui qui vous touche, et si c'était celui qui résout les problèmes
auxquelles vous vous confrontez aujourd'hui. Mes chers amis, vous avez peut-être des questions, vous avez peut-être des doutes, mais en tout cas, c'est sûr qu'avec le Seigneur, il n'y a aucune ombre de variation et aucun doute. Mais ceux qui le cherchent de fond de leur cœur, ceux qui le cherchent sincèrement, le Seigneur va combler leur vie et leurs besoins. Et je suis certain, et je vous le dis avec une profonde conviction comme Mourad, une vraie conviction, parce qu'on a vu, on a goûté, on a connu le Seigneur, ce Jésus que nous proclamons, que nous prêchons, parce que nous ne prêchons pas nous-mêmes. Nous ne disons pas parce que nous sommes chrétiens que nous sommes meilleurs que les autres. Tout ce que nous voulons dire, c'est qu'il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre lumière, il n'y a pas quelqu'un qui puisse vous donner des convictions sûres que ce Jésus, que tant de monde ont rejeté, dans le passé l'ont rejeté, aujourd'hui d'autres l'ont rejeté, mais lui, il restera toujours le même. Il ne changera pas. Même si on rejette, même si on conteste, ce sera un Seigneur incontestablement dans notre vie aujourd'hui. Mes chers amis, vous qui regardez cette émission, je vous invite à nous écrire, à nous donner vos questions, à nous raconter vos témoignages, afin que nous aussi, nous réjouissons avec vous de la vie que le Seigneur vous a donnée. En Algérie, en Maroc, en Tunisie, en Libye ou ailleurs, dans le monde entier, le Seigneur éclaire son peuple. Et personne ne sera dans les ténèbres. Et personne ne sera dans la confusion. Et vous-même aussi, vous serez bénis de notre Seigneur, le Très-Haut. À lui soit la gloire, aujourd'hui et pour toujours. Et que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Et à très bientôt dans l'émission Métamorphose.